Est-ce que vous voulez bien nous en envoyer une, s'il vous plaît? Je peux vous donner un numéro de téléphone. Oui, parce qu'il n'y a aucune indication là. Non, là, c'est les repas. Là, c'est les repas. Oui, mais ça, c'est un provisoire. Le mieux, c'est de parler. Parce que c'est bien le réseau, voilà, mais la voix manque. Voilà, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, du est-ce temps d'avant, comment c'est votre prénom? Moi, c'est Daniel. Alors, Daniel, est-ce que je peux vous donner mon numéro de téléphone? Moi, je suis Canard Baladeur. Ah, vous êtes le Cosmico Coq? On met trois sur la table. On va les mettre à côté. Moi, je suis président d'une association qui s'appelle Canard Baladeur. Ah, d'accord, ok. Et nous, on est parti d'une association dans laquelle on a tous un nom d'oiseau. Le pain est là. Ah oui. Si vous préférez sans gluten. Un peu de tenue. C'est à la demande de Thierry. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. C'est Thierry. Hein. On dirait que c'est plus léger que du papier. Ou alors, c'est du papier à cigarette. Ah non, ah, pas. Je ne fume pas. Donc, c'est pas un papier que j'utilise. C'est sur nous. C'est bon. Allez, on va dire que. Vas-y toi. Alors moi encore un tout petit truc, c'est si vous voulez venir participer au prochain événement de Pézenas en transition, le 29 septembre, Réseau nous a mis en avant au stade Cazoul. Voilà, on fait un événement à Pézenas sur le course. Les Champs-Élysées de Pézenas où on va mettre en avant la mobilité douce.
Donc le vélo, les Rosalie, les transiclettes, une autre manière de vivre, une autre manière de se déplacer et toujours de vivre ensemble. Voilà. L'itinéraire part de Pézenas, passe à Cazoul et retourne à Pézenas. C'est pas un étudiant. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Les chaînes, il y a un truc comme un chaînon qui vole. Oh, ça va. Comme je disais en mignon, puis j'en ai pas vu. J'en ai pas vu depuis vous. T'as vu le Valson. Elle va en rêver cette nuit. Une herbe là. Ouais les filles, ça va? Ça va. Le gars, ça va? Oh le gars, ça va? Ça baigne? Hein, ça va? Ça va. Bah, on attend là pour la cuisson. Hein. Ça se prépare. Mathias, chef cuisinier aujourd'hui. Tu parles. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu n'écoutes plus personne. Plus personne ne t'écoute. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Les deux filles, bien parler. Et moi, le soir, quand je me couche, quand j'arrive pas dans un air de fille, tu veux une petite chanson? Je pense que tu peux la parole. Je suis toute seule en train de chanter une chanson de la terrasse. C'est bien, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Autrement, ils le font, eux, juste comme ça, en fait. Essaye d'avancer. Avant. Est-ce qu'on a de l'eau en avant? Il y a de l'eau dans le bidon en bas. Là. Ça bosse les gonzesses là. Attends, je termine. Il y a un plateau. Tu as fait le goûter? Il faut que tu mettes des talons et tu vas faire. Là, il y a de l'entraînement. Là, il y a de l'entraînement. J'aime pas les photos. Mais justement, c'est pas une photo. Allez, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Que du bonheur, que du bonheur. Et là, il y a discussion au sommet. Là, au sommet, regarde si on est bien les trois, là. C'est quoi, la discussion pas, mais on est au bon endroit quand même. Carole derrière sa protection, la tête dans le feu. Si, regarde celle-là, les petites. Oui, voilà. Oh, les bonnes beautés. Celle-là, elle est grosse. Pour le grand mangeur. Pour le grand mangeur. C'est bien, après le repas, il y a le nettoyage. Et oui.
Bonjour. Important. L'hygiène. Vous voyez la dernière fois. Carole, j'arrive, je serai moi. J'éteins mon feu, je veux pas qu'il y ait de problème. Là, décale-toi un peu pour laisser la place à... Hop là, tourne la tête. Voilà, et après on fera une photo de... Tiens un peu. Voilà. Impeccable. Ah. Mais, j'espère que c'est pas trop le ventre, là, non? Non, voilà, comme ça. Voilà, impeccable. Voilà, c'est bien. Allez, hop. On fait une allez devant le on reprend l'air. Et là on peut sortir le ventre. Oui. On fait la mêlée. Allez, on fait la mêlée. Là on est en mêlée. Il faut laisser le cœur au ventre là, non? La matière. Oui. On va laisser un le coup du cœur. Le cœur. Il faut laisser le cœur. Mais en tout. Voilà, baisse. Avec tout le monde autour du cœur. Ah ouais, on peut se baisser quand même. Regarde, autour du cœur. Voilà. Non, on peut pas mal ta genou, toi. Je suis boiteux. Bon, qui c'est qui vous laisse envoyer tout de suite? Eh ben, vous en avez une sur le pont. Ah, sur le rail. On me sourit. Alors, si vous n'arrivez pas à voir, parce que vous avez le soleil dans l'œil, essayez de regarder tout ce que j'ai là. Voilà. Encore. Et essayez de me regarder là tout de suite, même si vous faites une petite grimace. Voilà. Ouais, mais à vous les dents, à vous les dents là. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors comme il a fait tout à l'heure, tu nous dis, hein? Et puis bon sourire. Là, on est au maximum. Oui, Titi. Encore, allez, on y va. Arrête, on va avoir une crampe. Tu veux qu'on chante? Vas-y, je sais pas. On y est tous? Si, bah si, viens. Non. Je te fais pas prier quand même, là-haut. J'étais hyper photogénique, franchement, Thierry. Allez. On passe directement sur le truc. On va s'asseoir au moment, et puis après, on passe. Bonjour. Comment ça va? Comment ça se passe? Bonjour. Et bonjour. Oui. C'est ça, une part, c'est au choix. Voilà. Et de la pastèque, si on, vous ne mangez pas de gluten, pas de gluten. Voilà. Donc il y a différentes choses. Et là, c'est du citron gingembre. Ah oui. En apéro. Donc il faut un verre. C'est qui a fait les gâteaux? C'est qui a fait les gâteaux? Bravo! On peut prendre le gâteau tout de suite. Ça y est, vous pouvez manger assez, voilà, à fond. Mangeons à fond. Ça, c'est demain. Gâteau, tournage. C'est un restaurant qui est...
De la terre à la belle. Delphine, dis-nous où tu n'es pas. On te voit partout. Ah non, là, je suis pas au jardin, là. C'est incroyable. Comme ça, regarde. Et grâce à toi, on a des légumes frais cueillis du matin. C'est un... Là, c'est pas grâce à moi. Oh là là. C'est grâce à la nature, moi, je fais rien. Ouais, mais si... Je mets juste un peu de graines. Oui, mais... Après, il y a beaucoup d'amour, ça mène plein de choses. Ah, il donne de l'amour. En tous les cas, un grand bravo. Ben, bravo à tous. J'ai un petit point logistique par rapport à ma petite tribu éphémère de table et tout ça. Des zestes de citron vert et de jus qu'Étienne a patiemment pressé ce matin. C'est quoi le kumbava ? C'est un agrume oui, particulier. C'est un citron puissant. Alors ça manque un peu de sel, mais c'est normal. Parce que moi, je sens très peu. Tu vois, monsieur propre ? Ben, c'est pareil, c'est super puissant. Est-ce que je peux prendre une bouteille d'eau ? Évidemment, je prends d'autres. Hein, donc, C'est le hasard. Alors, les courgettes sont légèrement croquantes. Muriel a déjà fait un discours, donc ça va. C'est l'idéal. Moi, je disais que je suis ravie que l'on puisse manger tous ensemble.
c'est vrai. Il faut qu'il y ait Thierry, si ça te plaît, tu peux en avoir d'autres. Hein. C'est trop bon, mais ça va aller. J'en ai encore. Hein. Franchement, c'est trop bon. Parce que les courgettes, on a essayé de les faire un tout petit peu croquantes. Mais c'est bon comme ça. Que le reste soit bien cuit. Voilà, et qu'il y ait une macération avec les parfums. J'avoue que j'ai pas. Allez. Qui ont quand même fait tous ces gâteaux quand même. Bravo. Bravo. Hey. On est les meilleurs. Bravo les bénévoles. Bravo. Un petit peu d'eau, ah ouais, je veux bien. Oh, pour grand-père. Bon, Laurent, ça tourne, donc je peux dire tout ce que non. Justement, ne dis pas je m'auto-censure, David. Tu peux dire tout ce que tu penses sur toi. Ah, bah, je suis le meilleur. C'est ça, absolument. Oui. Je reproduis. Ah bah oui, vas-y. Hein. Bah oui, parce que... T'as fait du chocolat coco. C'est Paris, ça. Ouais, comme le bon vin. Moi, je vais aller dans la tarte aux pommes. Ouais, moi aussi. Non. J'enlève les assiettes, peut-être, non, non. Ne prends pas cette devant toi. Hein. Non, oui. Pas vu. Non, mais elle était plus grosse. Moi, ça me parle pas mon assiette. T'as qui ce beau portefeuille? Oui, t'as qui met du sucre, le sucre, il masque un peu. Ça, c'est ton gâteau, Marie. Ah, vas-y. Forcément, on a mis de la noisette, là, le coco, on sent à la fin. Ça reste quand même. Oh là là, regardez ce qui s'est passé là. Regardez-moi ça, j'ouvre tout là, regardez un peu, regardez ce qui s'est passé là, regardez ça, maman, regardez ça, les surprises que vous avez, ça c'est Nani qui a fait ça pour le lieu ressource, regardez les gars, regardez ce qui vous attend, oh là là, vous allez vous régaler, allez, je vais vous présenter Nani avec Fatima, ils sont dans les gâteaux ce matin, ils sont dans les gâteaux, dans le banachoc, allez, on va surveiller, on va voir s'ils sont pas en train d'en manger en cachette. Ah là là, ça bosse là. Oh là là, hey, les filles, ça baigne. Ça va les filles? Coucou. Parfait, magnifique. Oh là là. On est en préparation. Est-ce que vous les avez goûtés pour être sûr qu'ils sont bons? Ils sont délicieux. Ils sont fondants, goûteux. Vraiment, ça monte dans les narines, dans les papilles. Vous les avez roulés un peu sous les aisselles? Ça va, j'ai fait mes aisselles. Ah, vous êtes épilés. Vous êtes épilés, alors tout va bien, nickel. Bon allez, bravo les filles. Ah putain, pas mal. Allez, la recette, vous allez la découvrir. On va vous faire un tour de table avec le livre d'Atelier Cuisine, les recettes bizarres. Donc comme ça, vous pourrez faire votre critique. On va vous faire un petit tour de table. Comme ça, vous remplirez la critique gastronomique. Voilà, les filles, là, en pleine préparation, regardez un peu ça. Elle vous fait des biscuits, des formes, des... Ah là là, oh, vous allez vous régaler. Allez, bravo les filles. Merci, c'est pas n'importe quoi, c'est diététique. Nourrissant et diététique. Il n'y a pas de farine et pas de sucre rajouté. Tout est que de la banane, du flocon d'avoine, de la cannelle, du chocolat noir, de sel, de l'extrait de vanille en poudre. De l'extrait de vanille en poudre et des petits copeaux de chocolat. Voilà, des flocons chocolatés. Voilà, des pépites de chocolat. Voilà, sans oublier le chocolat noir. Pépites, hein. Non, il n'y a pas de chocolat noir, c'est que des pépites de chocolat noir. Voilà. Précisons. Voilà. Délicieux. Et du bon chocolat noir, en pépites de chocolat. Du vrai chocolat noir. Du vrai. Voilà, on va s'en lécher les babines à midi. Allez, bye. Voilà les dernières fournées, là, on arrive au bout. Et regardez qui est là. C'est vraiment la Gisèle. Vous avez commencé à 7h30, c'est vrai? Bah nous, à 7h30, on était là, mais on n'avait pas les clés. Oh merde. C'est pas grave. On a bien rattrapé. On a rattrapé le temps, on est un petit peu en retard, mais on va y être. Voilà. On a l'équipe au complet, là, l'équipe Banachoc, on est au complet, c'est parti. Exactement, l'équipe Banachoc, L'équipe de choc de Banachoc. Je ne dis pas, mais je viens juste d'arriver. Mais c'est pas grave, le tout c'est d'être présent. Je fais comme peu importe ce qu'on a fait,
C'est pas grave. Même tout, deux, c'est d'être là. Même super. Rien, c'est pas grave. On est là, on rigole. Ouais. Allez, c'est parti, Dani. Allez, Dani, allez au compost. Voilà. Là, on a Gisèle et Fatima qui a la confection. Oui. Soyez pas radine, hein. On est des couturiers. On bichonne tout le monde, hein. C'est bien, c'est bien. C'est parti, ça chauffe, ça chauffe. Allez les filles, ouais. Faites un coucou à tout le monde. Ouais. 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 Gisèle, fais-nous un coucou. Ouais. C'est nous les meilleurs. On verra si on a des compliments. Voilà, à la fin, il y aura la critique gastronomique sur papier. Ah, c'est sûr, on a... On va faire un tour de table. C'est sûr, on a 30 sur 20. Voilà. Ah, c'est forcé. Ah non, avec tout l'amour qu'on a mis dans la préparation, dans la confection, il n'y a pas de souci, on va avoir la meilleure note. Voilà. Allez, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Au table, ça fera plus de réunion avec les gens pour moi. Les biscuits sans sucre, sans farine. Et fait de ce matin. Il n'y a pas le fromage dedans. Je vais prendre ma.
Le bal, c'est vraiment la dernière. Le bal, il est très récent. Vas-y, alors, prends, tu te la prends ou tu la prends? Thank you.
Parce que ce que tu décris, je l'ai vécu aussi, tu vois. Avec une petite feuille, c'est ça, pour avoir des retours, des critiques gastronomiques. Et ils sont en train de nous distribuer une surprise, il y en a une pour chacun. Merci. Surprise pour vous aussi. Ok, bon, patron. Vous êtes toujours Excellent. Moi, je mange pas et tout le monde. Vous l'offrez à quelqu'un qui sera avec un très plaisir. Vous mangez trois coups. Banane, avoine, coups de vanille, cannelle, coups de petit chocolat. Les vanilles, c'est vanille en poudre, extrait de vanille en poudre. C'est la banane qui fait. C'est pas la liquide hein, qui vaut rien. Hein. Allez, surprise. Ah, surprise, vous l'avez pas eu. Et la recette, vous l'avez dans le livre d'or qui est là. Ça vous a plu? Alors, moi, ça fait plus de 50 ans que je fais cette recette. Plus de 50 ans que j'avais fait cette recette. Ça veut dire ta gueule. Pardon. Ouais, ta gueule. Allez, hop. À vous. On n'entend rien du tout. Là, c'est bon. Bon. Et voilà, donc remercier PZLA Sans Transition et le lieu ressources qui m'ont encore une fois fait confiance. Et voilà, vous expliquez un peu. Alors viens par là. Et vous expliquez voilà, d'où viennent les légumes, parce que c'est pas que de simples légumes. Moi ça faisait déjà une dizaine d'années que j'avais ce projet de monter en professionnel au niveau du maraîchage. Ah, j'arrête. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'avais ce projet. Ça fait 10 ans qu'elle a ce projet. Et ça fait 2 ans que je suis installée.
Et ça fait 2 ans qu'elle est installée. C'est pas vraiment ça la traduction. Hein. Donc sur Pézenas, donc c'est à 5 minutes de Cazoul. Sur Pézenas, à 5 minutes d'ici. Alors il y a beaucoup d'enjeux en fait. Je suis installée sur un endroit où il y a du maraîchage depuis le Moyen-Âge. Elle est installée sur un endroit où il y a du maraîchage depuis le Moyen-Âge, donc il y a beaucoup d'enjeux. Voilà. Donc je fais mes propres semences, donc ici je suis sur Pézenas. Elle fait ses propres semences, issues même de culture de Pézenas. Bravo. Donc forcément mes propres semis. Donc forcément ses propres semis. Elle cultive sur paillage végétal. Elle cultive sur paillage végétal. Ouais. Et je fais mes propres purins quand j'ai besoin. Et elle fait ses propres purins. Ouais. C'est une sorte de... Et j'introduis aussi les animaux parce que c'est aussi une de mes grandes passions, c'est les animaux. Donc pour le moment, ça s'arrête aux volailles. Et elle fait de la volaille aussi parce que sa grande passion, c'est aussi les animaux. Mais c'est pas pour manger. Mais pas pour manger. Que pour les œufs. Oui, et pour faire des câlins aussi. Et pour faire des câlins, parce que c'est un peu une hippie aussi. Donc voilà, merci beaucoup de votre accueil et merci d'avoir partagé avec moi ces 4 jours. Et juste pour dire, elle ne les mange pas, elle sauve les animaux. Plus, elle les récupère, qui sont blessés, elle les soigne. Merci beaucoup à tous, Michel. Avec quelques points organisationnels. Alors, le premier point, ce serait donc aujourd'hui, là, ce midi, c'est notre dernier repas ensemble dans ce lieu. Du coup, on aurait peut-être besoin d'un peu d'aide pour replier les tables, les mettre en bas de l'arbre ici, peut-être les empiler, et les bancs aussi. Ça, c'est pour ce midi. Pour ce soir, le repas se fera au village. Il faut juste qu'on prenne tous nos couverts et nos assiettes pour le village. Et ne pas oublier les 3 euros pour le tiramisu, pour ceux qui ont réservé leur tiramisu. Voilà. Dernier point, c'est demain. Donc demain, on a une jam à 9h30 pour ceux qui sont motivés. Une petite jam avant le cercle de fermeture qui sera à 10h30. Voilà, donc on finira vers midi, je pense. 11h30, midi, quelque chose comme ça. Max. Alors, nous, on s'est réunis tout à l'heure on aimerait. C'est ça. On serait très très heureux si parmi vous. Entre 5 et 10 personnes seraient intéressées pour rester l'après-midi à nous aider à démonter ce fameux chapiteau. Parce que plus on est, plus ça va vite. Sachant qu'il y aura une pause, on déjeunera tous ensemble avec ceux qui restent pour nous aider. Après, vous irez vous relaxer à la rivière et tout ça pendant que nous, on continuera à bosser et à travailler. Et après, ils reviennent vers quoi? Vers 15h, l'idée ce serait qu'on démonte le chapiteau vers 15h, 15h30 gros max. Donc ceux qui souhaitent rester, bien évidemment, on leur offrira le repas du midi et on mangera ensemble. Et par contre, voilà, entre 5 et 10 personnes, si vous savez maintenant, c'est chouette, vous nous dites. Ouais, c'est le TLS. Ce serait demain. C'est demain le démontage, à 15h. Ouais, parce que du coup, on va voir pour les courses. On va faire les courses après-midi, donc ce serait bien qu'on le sache maintenant. Donc 5 personnes. 10 personnes. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, c'est parfait. Ouais, c'est une célébration de film. C'était demi, ça fait demi. Ok. Merci beaucoup. Sarah, est-ce que tu vas te souvenir de qui a levé la main ou est-ce que vous voulez aller voir Sarah après parce qu'elle est en sujet? Bravo. Il a filmé. Non, on reprend juste Nico, Hélène,
David, Bruno, Renaud, Micha, Tom. Ouais. C'est du manuel. Tango d'Issée, c'est l'association de fêtes où j'interviens, je fais intervenir des intervenants pour le voilà, pour aller danser, pour aller prendre conscience du corps. Il y a beaucoup de body mind centering. C'est des ateliers, c'est des stages, c'est des festivals. Ça a lieu en Alsace, en Occitanie. Et là où vous voulez, si vous avez envie qu'on se déplace, eh ben on viendra. Il y a une newsletter, là il y a un QR code. Je ne sais pas comment ça marche, mais apparemment ça marche. Sinon, il y a un site internet avec un onglet contact. Envoyez-moi un mail, je vous ajoute à la newsletter. Et pour celles et ceux qui veulent de la musique, j'ai un dossier sur un drive que je partage volontiers. Donc voilà, envoyez-moi un petit message, dites-moi ce que vous voulez. Et ça sera fait dans les meilleurs délais. Merci. Merci. D'abord, on voudrait remercier énormément la mairie de Cazoul et particulièrement certaines personnes qui se sont investies et qui ont rendu ça possible. Il y a notamment Françoise qui est la première agente qui est là à midi avec nous. Bravo. Merci parce qu'on sait que voilà, oui. sans elle et certaines personnes, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu le faire cette année. Et bah, on compte sur vous. Et voilà, c'est parce que c'est une association qui s'appelle Tango d'Issée. Tout de suite, j'en profite pour dire on espère que aujourd'hui c'est qu'on pourra refaire l'année prochaine. Voilà. Et on a, vous savez qu'on tient beaucoup à ce lien avec le territoire, avec pour les repas, pour les musiciens aussi, pour les pour avec la mairie de Cazoul, les assos du village, le tambourin, c'est super ce matin là d'échanger avec ce tambourin et tout. Globalement, il y a plein de trucs qui se font bien. Il y a eu aussi des petits couacs à des moments et du coup. Voilà, moi juste j'avais envie de vous raconter ça. Moi j'habite à Béziers et c'est pas du tout une ville où on voit ce genre de trucs. Alors je sais qu'on n'est pas à Béziers ici, mais c'est quand même dans la zone d'influence, on va dire. Et c'est une ville qui est ravagée par la misère et l'extrême droite aussi. Et on a monté un lieu, on a essayé de faire beaucoup de choses pour le vivre ensemble. Pour que les gens aient moins peur les uns des autres, pour qu'ils se rencontrent avec des repas, avec de la culture, avec de la danse, avec de la musique, avec des débats, avec plein de choses. Et c'est un peu dans cet esprit aussi de faire ces liens avec le territoire qu'on a construit aussi ce double événement, enfin de mélanger la fête du village avec notre stage là. Du coup. Voilà, je crois que c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur et je vous avoue que je suis un petit peu stressé pour ce soir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et j'ai très envie que ça se passe bien. Est-ce que vous avez tous en tête comment ça se passe cet après-midi ce soir ou vous voulez un petit rappel ? Un rappel ! Ok. Donc, il y a. Je vais peut-être oublier des choses, mais il y a un tournoi de pétanque. On peut s'inscrire à partir de 13h30. À 13h30, il y a les inscriptions pour le tournoi de pétanque, mais il faut faire une mise de 10 euros par personne. Ah, ça vous intéresse. Et 150 euros de gain pour celui qui gagne. À partager en deux personnes. Ah oui, bah oui. Ah bon. Il y a une mise. Il y a une dictée pour s'inscrire aussi. Pardon ? La dictée pour s'inscrire aussi. La dictée pour s'inscrire aussi. On inscrit vers 13h30 sur la place du village. Non, la dictée c'est gratuit. La dictée pour les moins de 12 ans et une dictée pour les adultes.
Alors, la dictée pour les enfants. De 14h à 15h. Pour Nino, par exemple, il va aller à la dictée. Et pour les adultes, c'est de 17h à 18h. Dictée adulte sur la salle du peuple. Voilà. Sachant que, en même temps, donc, il y a une chasse au trésor aussi dans l'après-midi à vélo. Chasse au trésor à vélo. Bon, ça, c'est plus pour les familles. Pour les familles. Et c'est 15h30 au départ. Finit au chapiteau. Et ça finit au chapiteau avec un goûter compté. Avec Sophie. Avec Sophie ici présente, vous pouvez applaudir déjà. Ouais. 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 Je ne sais pas, mais je la camerounaise que j'ai rencontrée depuis peu et donc ils sont maintenant français et la dame en parlant avec elle et tout, je lui ai demandé sa spécialité, elle a dit les beignets camerounais, donc elle nous prépare depuis ce matin des beignets camerounais, faudra peut-être les partager un peu, mais voilà. Il y a les jeux en bois, il y a une association Homo Ludens qui va s'installer cet après-midi autour de la table et c'est des jeux de société, grandeur nature, en bois, et il y en a une vingtaine à peu près. Sur la place, autour de la place. De 17h30 à 18h30, on reste au chapiteau après les comptes pour l'initiation, enfin quelques bases du tango avec Lynn qui sera aussi avec Claire et Nicolas qui feront une démo aussi. Et oui, enfin, on a décidé de faire l'initiation ensemble parce que comme ils vont démarrer des cours à Pézenas à la rentrée, on s'est dit que ça faisait plus sens aussi qu'ils fassent partie de l'initiation. Ouais, carrément. Et c'est à 17h30. Ça, c'est à 17h30 pendant une heure. Et à 18h30, rendez-vous, et notamment tous ceux qui ont des instruments, vous êtes invités à les sortir pour jouer avec les musiciens, et puis enfin les musiciens qu'on est là, et ou sur la place du village. Ok. Là où il y a apéro musical. Apéro musical avant le repas. 18h30, à partir de 18h30. Et les jeux, c'est toute l'après-midi du coup? Les jeux, c'est toute l'après-midi. Et ça danse aussi pendant l'apéro musical? Oui. Libre à nous. Oui. Question, la démo, elle est dans l'heure de... voilà. Et ensuite, le repas qu'on prend tous ensemble. Voilà, je sais pas si les casoulins ils voudront se mélanger, enfin, ou si nous on voudra se mélanger ou pas et tout, mais non mais c'est et après le repas pour le repas. Je vous dis aussi pour le repas tout de suite. Il y a une quarantaine de poissons et une vingtaine de viandes sèches et veaux. Voilà. Tout est écrit sur le fly qu'on a mis là, donc vous pouvez aussi relire. Donc, si vous voulez vraiment un des deux plats, n'arrivez pas trop tard, après vous aurez ce qui reste. Quoi. Voilà. Et végétarien, est-ce qu'il y a le végétarien ou pas? Non, il n'y a pas végétarien. Ok. Ensuite, il y a les deux balles DJ Lulu sur la place. Et on a déjà Pierre et Bruno qui sont là. Et Jérémy qui va arriver pour le bal folk tango au village. Et il y a aussi des gens extérieurs qui vont venir, donc du village, mais aussi peut-être des villages alentours ou quoi. Moi, ce que je voulais dire, peut-être on fera. On n'a pas encore vraiment décidé, mais peut-être on fera une pause à chaque fois dans les deux. Pour que les gens aient le loisir d'essayer les deux quand même, sans se dire quelque chose. Peut-être on fera une demi-heure de pause d'entracte à chaque fois, pas en même temps. On trouvera un petit truc pour que quand même ça. Tout le monde puisse tester un peu les deux ambiances, quoi. Une soirée, deux ambiances, c'était ça l'idée. La buvette, c'est le tambourin qui l'organise, sera là-bas. Ils ont déjà commencé, je crois. Ils ont bien, bien commencé. Et ben, moi, ce que je voudrais, je sais qu'on arrive après 5 jours où il y en a, on se connaissait pas forcément il y a 5 jours, et là, on commence à faire groupe et tout. Donc, il y a la force du groupe et tout. Et ben voilà, c'est comment, j'ai pas la solution, mais si vous avez des idées aussi, comment faire en sorte que les.
certaines personnes nous demandent pas, mais vous êtes une secte, vous êtes une communauté, vous êtes, enfin voilà. C'est des questions qui sont vraiment venues hein, hier. Voilà. Après, on a parlé, ils ont compris, et c'était bien. Mais je sais que c'est le dernier jour des fois, on se lâche. On est entre nous parce qu'on commence à se connaître et tout. Ben voilà, je ne sais pas comment faire attention pour que. Si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas à nous les partager aussi pour que. Dans la fontaine. Pas tout nu dans la fontaine. Voilà, voilà, en fait, c'est bien, voilà. Merci. Voilà, on évite le contact sur la veine. On se tient. Okay. Vous êtes gentil. On ouvre la conscience, on n'est pas tout seul aujourd'hui, quoi, et c'est aussi eux qui nous accueillent, quoi. C'est leur fête du village, et ils nous accueillent, on est contents, et voilà, c'est ensemble. Ah, ouais, c'est un dernier truc, mais vas-y, du coup. Ouais, je voulais juste, en tout cas, dire que c'est hyper audacieux comme proposition, et je trouve ça remarquable, et franchement, bravo de prendre ça. T'en es vite, par exemple. C'est génial, j'en ai vu qui ont joué le jeu, qui ont invité, qui ont dansé ensemble et tout. Super cool. Voilà, comme il y a eu aussi des petites fois qu'à des moments. Non, mais le tambourin, ça nous a soudés aujourd'hui. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que dans le village, il y a aussi des tensions entre villageois. Donc, non, mais c'est vrai. Il y a aussi plusieurs groupes et plusieurs. Il y en a qui aimeraient plus ça, il y en a qui aimeraient plus ça et tout. Donc voilà, on ne peut pas faire à tout le monde de toute façon, mais voilà. Dernière chose, il y a l'équipe du lieu ressources qui voudrait prendre une photo avec nous, en tout cas ceux qui veulent, pour leur petit reportage. Bah, tu veux qu'on le fasse maintenant, Muriel, à la fin? La photo que tu voulais. On va commencer à venir là. Bah maintenant. Maintenant. Et bah maintenant alors. Quelqu'un d'autre, à part Nicolas, Claire et Baptiste, et moi, qui ne mange ni viande ni poisson pour ce soir. Bah, est-ce que vous pouvez venir voir Flore et moi? Voilà, merci. Et moi, on je peux faire la photo pour installer les chaises, les tapis, les machins pour le moment con. Genre 16h moins 16h. Vous allez voir. J'ai l'impression que vous avez bien mangé. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer en fait. La photo elle est là. On a chaud. On a chaud. On s'aime, mais non. Mais l'eau qui joue. Allez, you! Il y a un instant magique, c'est quand Mathias a joué de l'accordéon. Ils ont dansé sur les tables. C'était magique. C'était magique. Mathias, alors l'improvisation là-dessus, toi dans ta bulle, tout le monde dessus.
C'est magnifique. Mmh. 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 Ça a été la première fois aussi que j'ai joué il y a peut-être un petit coup sur la table. Ouais. Ça, c'est vrai, hein. Ça, je pense que c'est, ouais, c'est à cause du quinoa, tu vois, ça, oui, fait des effets. Ouais. C'était très beau. Voilà. Ouais, mais le quinoa, il y a le quinoa gourmand, parce qu'il y a plein de choses à côté, c'est pas que, ouais, du quinoa, quoi, pour part. Alors, là, c'est l'amour, allez, infini. L'amour infini derrière. Ouais. Alors, attendez. Attends, on est pas sûr. Allez, Antoine, c'est mon fils qui m'a appris. Il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire, maman? Derrière. Derrière, c'est une tête. Derrière. Non, mais on devrait faire comme eux. On devrait faire comme eux. Parce que Gisèle, on a pas l'amour infini. C'est incommensurable, c'est-à-dire... Oui. Mais... Mais... Gisèle, on l'a pas eu. C'est pas grave, peut-être à la main. C'est l'amour infini, la technique de Léonard de Vinci. Ouais. Non, Léonard de Vinci fait toujours la perfection de l'infini qui finit dans un angle. Qui finit dans un angle. Monsieur, il y en a encore. Mais oui. Non, mais le chien, là, il m'a arrosé. On essaye, Allez, je sais pas. Mais j'ai ma fermière, elle arrête pas de me piquer avec les fourches. C'est pour demander le silence. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on demande le silence. Ça veut dire qu'on ferme notre gueule. Ouais. Merci, David. C'est le dernier, c'est pour ça que tu remercies. Qui voulait parler? Nani, on t'écoute. Ah, non. Parce qu'on n'a rien entendu de ce que tu as dit. Ah, d'accord, ok. Bon, il m'a dit que derrière, quand on a fait j'ai fait la petite affichette, il m'a dit que tu as choisi une image, c'est l'amour infini, incommensurable, c'est-à-dire immense. Voilà. Il m'a dit qui tourne et qui ne s'arrête pas. C'est à l'infini. Peut-être. Donc. La technique de Léonard de Vinci. C'est la technique de Léonard de Vinci. Il m'a dit, tu as pris, voilà, une image qui finit sans le savoir. Dans un angle. Qui finit. C'est la... Voilà. Ah ouais. Voilà. Qui ne finit jamais. Ah oui. C'est voilà. Le... Ça s'appelle. C'est la spirale de l'amour, de la perfection, voilà, qui finit dans un angle. Voilà. Est-ce que ça veut dire, Nani, que tu as quelque chose de Léonard de Vinci en toi? J'en sais rien, j'adore Léonard de Vinci, donc... J'adore Léonard de Vinci. Et de l'autre côté... Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller rencontrer du cœur au ventre. Voilà. C'est populaire. C'est qui n'en a pas eu, ça va bien en haut. Fractal. Voilà, c'est exact. Bonjour, ah, non, mais on a des... La gueule. Oui. C'est ça, ça veut dire ça. Elle ne s'épile pas, la garce. Ça veut dire ça, ta gueule. Alors, vas-y. Oui, moi je rajouterai... Un amour incommensurable, mais surtout indéfectible. Wow, bravo. Maman, hey, on va te réveiller souvent à 7h30. Incommensurable, indéfectible et éternel. Universel. Et qui naît de notre cœur vers vos cœurs. Wow. Continuez, c'est notre entrave parce que nous sommes humains et incarnés. C'est ça. Au suivant. Moi, j'ai un nom incarné. Ah, pardon. Ah, parce qu'autrement, il faut aller voir Chol. Ou pas Chol. Chol. Pour désincarner. Pour nom d'incarné. C'est la marque de la voix. Mais tu sais quoi? Muriel. Muriel, tu en as une cargaison encore. Alors, moi, je me suis permis de changer la mienne parce qu'il n'y avait que deux tagada. Alors que tout le monde en avait trois. Je me suis dit, pourquoi moi, j'aurais une tagada là que deux? Parce que j'en ai deux. Alors, j'ai pris trois tagada. Oui, j'en ai 40. Merci, compagnie. Merci. Merci.
Vous voulez un tagada? Non, 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 Voilà. David. Non. Allez, de rien, pas bien. Inch'Allah. Bon, ce soir c'est fini. Mardi, l'amour est inconditionnel. Et Gisèle, alors tu reprends la phrase du début, tu rajoutes. Ah oui, oui, l'amour inconditionnel. D'accord, ok. L'amour. Allez, super festival qui se finit bien et maintenant c'est le nettoyage. À fond, à fond. Et bravo à nous tous. Ouais. Bravo à nous tous, moi j'y suis pour rien, c'est nous tous. Bravo. Un tout seul avance, mais tous ensemble on va très loin. Tous ensemble, on va loin, tous ensemble, on va loin. Et merci à tous. A bientôt. Il va vous transférer le lien de la chaîne YouTube. Il s'appelle Andana Passion, A-N-D-A-N-A, plus loin Passion, sur YouTube. Super. Bisous à tous. Et encore merci à Nani, à Olio Ressources pour les chamallows et les tagadas.